Un lancement de Silmi, merci Julia pour la guerre, même la violence sur les violons ne devrait pas exister, volons. Le Zamal, des fois la Zeb est bien bonne. Loin à cette époque maintenant, c'est de la pure, mais ça restera gravé à tout jamais. Me rappelle du rhum charrette, pur par flash d'éclair, d'alcool, etc. Un flash d'éclair ou d'alcool, bon bref, on s'en fout. Un coup de tonnerre près de la plage, des rafales, des mirages, des coups de zifu. Et la plage, surtout les chevaux, les chiens qui te courent en scooter. Une cartouche de zifu, de tabac, t'y vas à 18, t'y rien, t'y retournes à 6 du mat, une cartouche sur la plage. Dur de trouver l'inspiration et tout le tour de l'île. Dans cette atmosphère, c'était beaucoup mieux dans l'ambiance de Corse. Sur ma petite île où je suis né et d'où mon arrière-grand-mère est d'origine. Dur de trouver cette putain d'inspi. Si putain c'était beaucoup mieux sur ma petite île. Ce terre-terre c'est la merde. Les murs, le bruit, l'enfermement. Moi j'aime la nature, la plage, la mer, l'atmosphère, l'ambiance. La ferveur de ma petite île de naissance, la furie de Siani. Non j'ai pas connu l'époque de 78. J'ai connu l'époque qui nous a permis d'éliminer des Benfica, j'étais au stade. Non je déconne, c'est petit actuellement. Poser sa tête sur le gazon de Old Trafford à l'époque de Cantona. Le Barcelone de Guardiola à ses débuts, petit, juste une tranche d'eau. La cathédrale de la gare de Milan et San Siro, traversé toute la Hollande et vu tous les stades. Des entraînements avec l'équipe de Saint-Denis de La Réunion qui a sorti quelques internationaux français tout autour de l'île et son ambiance, etc. Ça déchirait tout, etc. Et puis je suis rentré dans le stade aussi et lundi Dienne à l'appeler. Comme Pelé, quand il a fait ses débuts, qui est rentré dans le stade pour voir un match en face, moi j'ai fait pareil là-bas. Et un petit entraînement là-bas. Il y avait peut-être Payet qui était un peu plus jeune que moi, qui sait. C'était la même époque. Puis Willy Blin, le champion de France amateur que je voulais affronter de boxe. Et puis aussi revu une connaissance que j'avais vue dans la banlieue parisienne qui finalement à 9500 km environ était là-bas aussi. Mais j'avais autre chose à faire.